Savez-vous ce que c'est qu'un accord? Oui, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et les accords parfaits majeurs, les accords parfaits mineurs, les renversements, la gamme, la tonalité, ça vous parle tout ça? Et bien si c'est encore un petit mystère pour vous, et bien vous êtes au bon endroit, sur la bonne vidéo. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne officielle du blog Enseigner la musique. Oui, je fais leur chef d'orchestre. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler des accords. Et du coup, ça va être notre dernière vidéo de la série des 10 vidéos, voilà, consacrée aux bases de la musique, en tuto. Et du coup, pourquoi c'est la dernière vidéo? Eh ben, tout simplement parce qu'elle regroupe toutes les notions qu'on a vues jusqu'à maintenant, que vous avez peut-être déjà vues dans les précédentes vidéos, sur le rythme, la tonalité, la gamme, les intervalles, les degrés, etc. J'en passe, c'était meilleur. Si vous les avez toujours pas vues, d'ailleurs, je vous recommande vraiment d'aller les voir, parce que sinon, vous allez être un petit peu paumé, notamment dans les termes un peu techniques, hein, forcément. Mais du coup, vous inquiétez pas, si jamais vous n'allez pas tout checker, je vous mettrai les liens des vidéos à chaque fois, voilà, ça sera plus simple. Bon alors, commençons par ce que c'est qu'un accord. Un accord, par définition, c'est un ensemble de plusieurs notes jouées simultanément. D'ailleurs, on nous dirait qu'il faudrait un minimum de 2 notes pour faire un accord. Et c'est le cas, c'est pas forcément que 3 notes, 4 notes ou 5 notes, comme beaucoup le pensent. Donc par exemple, un accord de 2 sons, ça donne ça. Un accord de 3 sons, ça. Et un accord de 4 sons, ça. Et du coup, il existe une famille d'accords très appréciée dans la musique actuelle, dans la pop, le rock, l'électro, le hip-hop, etc. Et du coup, ces accords s'appelleront des accords parfaits. Voilà, comme le Very Parfait à McDo. Et du coup, pourquoi on les appelle des accords parfaits? Parce que effectivement, à l'oreille, bah déjà, ils sonnent bien, plutôt bien d'ailleurs. Et donc du coup, si vous vous souvenez bien, il y avait les gammes majeures qui étaient des gammes un peu joyeuses et les gammes mineures qui étaient un petit peu tristes. Et bien de la même façon, on va avoir les accords parfaits majeurs et les accords parfaits mineurs. Mais alors du coup, comment on construit ces accords? Comment on les identifie sur un clavier? Et comment on les utilise alors? C'est le but quand même. Et bien du coup, pour bien comprendre tout ça, commençons par la construction de l'accord en elle-même. Donc il faut savoir qu'un accord parfait est un accord constitué de 3 sons. Mais du coup, pas n'importe quel son, ça va être justement avec 3 notes bien spéciales. Et oui, Jamy. Eh, Jamy ! En fait, déjà, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il existe des accords de Do, des accords de Sol, des accords de Mi, des accords de Fa dièse, des accords de La, etc. En fait, il y a un accord pour chacune des notes qui existent dans la musique. Et comme il y a 12 notes différentes dans la musique, bah il peut exister 12 accords différents. Attention, j'en vois déjà qui me disent « Mais il n'en existe pas que 12, c'est n'importe quoi, il est totalement débile ou quoi lui ?» Oui, il n'en existe pas que 12, mais c'est pour vous montrer que les noms des accords proviennent des 12 notes qui existent. Ah, d'accord. Et donc du coup, on va dire que la note qui va donner le nom à l'accord, et ben cette note-là, ça s'appellera la note fondamentale. Donc par exemple, un accord de Do majeur, ou un accord parfait de Do majeur, bah du coup, ça va être construit à partir du Do. Facile, hein? Mais que ce soit mineur ou majeur, c'est pareil. Un accord parfait de La mineur, bah ça sera construit à partir du La. Donc ça, du coup, c'est la note fondamentale, et c'est la note la plus importante de l'accord. Donc maintenant, à partir de cette note fondamentale, on va lui rajouter une petite tierce. Donc du coup, si vous vous souvenez bien de la vidéo sur les intervalles, que je vous mets ici, voilà, et que vous retrouverez aussi dans la série des vidéos, bien sûr, eh bien, une tierce à partir d'un Do, ça nous donne un Mi, tout simplement. Donc ça sera la seconde note. Et en plus de ça, toujours à partir du Do, on lui rajoute une quinte. Et une quinte, si vous vous souvenez bien aussi, à partir du Do, ça nous donne un Sol. Donc notre accord de Do, ça va être Do, Mi, Sol. Maintenant, on va chercher à savoir si c'est un accord parfait de Do majeur ou de Do mineur. C'est pas trop, enfin, pour le moment. Et en effet, vous devez aussi vous rappeler qu'il existait différents intervalles. Justement, quand on parlait de la qualification des intervalles, il existait la tierce majeure, mais il existait aussi la tierce mineure. Comme il existait la quinte juste, la quinte augmentée, la sixte diminuée... Voilà, il y avait plusieurs catégories à chaque fois dans les mêmes intervalles. Voilà, donc gardez bien ça en tête. Alors maintenant, regardons du coup nos intervalles qu'on a dans l'accord. On remarque bien qu'entre Do et Mi, on a une tierce, et qu'entre Mi et Sol, on en a une deuxième tierce. Mais c'est pas tout à fait les mêmes tierces. Et en effet, entre le Do et le Mi, vous avez 2 tons, donc c'est bien une tierce majeure. Mais du coup, entre le Mi et le Sol, vous n'avez qu'une tierce mineure, parce qu'il n'y a que 3 demi-tons, et pas 4. 4 demi-tons, ça correspond à 2 tons, hein, je vous rappelle. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc dans notre accord, on rencontre d'abord une tierce majeure, puis une tierce mineure. Et bien si on a cet ordre-là, on pourra dire que notre accord parfait sera majeur. Maintenant, si on inverse les deux tierces, qu'on rencontre d'abord la tierce mineure, puis la tierce majeure, et ben là dans ce cas, on sera
dans un accord parfait mineur. C'est aussi simple que ça. C'est la nature de la première tierce qui va déterminer la nature de l'accord. Et donc pour l'exemple, si on part toujours du Do et qu'on monte d'une tierce mineure, cette fois on n'aura plus Do Mi, mais Do Mi bémol. Attention, on n'a plus que 3 demi-temps, et pas 4. Et après du coup, vous allez voir, c'est magique, la quinte, elle, ne change pas. Parce que l'écart qui se fait entre le Do et le Mi bémol, qui est du coup un peu plus réduit que le Do et le Mi, et ben il permet justement d'augmenter l'écart entre le Mi bémol et le Sol, qui ne fait bien 4 demi-tons, je le rappelle, parce que Mi bémol Mi, Mi Fa, Fa Fa dièse, Fa dièse Sol, ça nous fait bien 4 demi-tons. Et donc on tombe bien sur une tierce majeure. Bon bah du coup voilà, l'écart se rééquilibre automatiquement tout simplement. Donc je récapitule, si vous avez d'abord une tierce majeure puis une tierce mineure, vous avez un accord parfait majeur. Si vous avez d'abord une tierce mineure puis une tierce majeure, là vous avez un accord parfait mineur. Je vous laisse essayer sur votre clavier, essayez de trouver des notes, voilà, en partant du La, du Ré, du Sol, du Do encore, pour essayer de bien comprendre les différences et essayez de faire à chaque fois un accord parfait majeur et un accord parfait mineur. Vous verrez, il y en a un qui va sonner joyeux et l'autre plus mélancolique, plus triste. Bon, alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir la place des différents accords dans une tonalité. Donc je vais vous faire un petit rappel. Une gamme, en fait, ça va être une série de notes qui, mises ensemble, bah, du coup, va constituer une gamme, tout simplement. Donc par exemple, on va parler de la gamme de Do, où vous voyez avoir 7 notes différentes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Vous commencez à les connaître par cœur, ça, y a pas de problème. Mais maintenant, une tonalité, elle, ça va être un ensemble de 7 accords qui vont être construits à partir de ces 7 notes de la gamme. C'est pour ça que quand on dit qu'on est dans une tonalité spécifique, eh ben, la gamme principale, bah, elle portera le même nom que la tonalité. On fait un peu un raccourci là-dessus, et moi le premier je l'ai fait pour pas trop vous compliquer la tâche pour le début, mais c'est important de bien comprendre la différence entre les deux. Et en fin de compte, c'est bien ça. Donc je le répète, les 7 accords qui vont constituer la tonalité vont être construits à partir des 7 notes de la gamme qui sera associée à la tonalité. Tout simplement. Mais tout simplement, ça paraît simple comme ça, hein, voilà. Mais alors, après, comment on constitue ces accords et quelles sont leurs places, effectivement. Et bah du coup, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que la gamme de Do majeur, c'était la gamme de référence pour toute chose. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tout le monde connaît ça. Et pourquoi? Et bah du coup, si vous prenez les 7 accords construits à partir de ces 7 notes, vous allez tomber sur ces accords-là. Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si, j'y viendrai après, et on revient sur le Do majeur. Alors, du coup, pourquoi des fois majeur et puis des fois mineur? Ben, si vous vous souvenez bien, dans la gamme de Do, il n'y a aucune touche noire, c'est que des touches blanches. Hein. Et ben du coup, à partir de ça, vous allez essayer de construire vos accords comme si c'était à chaque fois des notes, j'appelle ça en mode grenouille ou en saut de mouton. Donc là, vous voyez par exemple un Do, un Mi, un Sol, donc on est passé entre le Ré et le Fa. Très bien. Donc ça, c'est bien le premier accord que je vous ai détaillé. Et ben maintenant, vous faites la même chose en partant des autres notes. Donc Ré, Fa, La, Mi, Sol, Si, Fa, La, Do, Sol, Si, Ré, La, Do, Mi, et Si, Ré, Fa. Et maintenant que vous avez trouvé vos notes, bah, il vous reste plus qu'à trouver les intervalles de tierces qu'il y a entre chacune des notes. Et vous remarquez, par exemple, entre Do, Mi, Sol, donc comme je vous avais dit, ça fait d'abord la tierce majeure, puis la tierce mineure, donc ça va être un accord de Do majeur. Ensuite, en partant du Ré, on a d'abord Ré, Fa, qui est une tierce mineure, et Fa, La, du coup, qui est bien une tierce majeure. Donc on a bien un accord de Ré mineur. Ensuite on a l'accord Mi, Sol, Si, donc Mi, Sol, on a toujours 3 demi-tons, donc ça fait une tierce mineure. Et puis après Sol, Si, une tierce majeure, ça nous fait bien la tierce mineure en première position, et donc un accord parfait mineur. Mi mineur du coup. Et après vous continuez, vous avez Fa majeur, parce que tierce majeure d'abord, ensuite Sol majeur parce que encore une tierce majeure, La mineur parce que une tierce mineure d'abord, et du coup le dernier vous avez Si, Ré, Fa, ou entre Si, Ré vous avez 3 demi-tons, et entre Ré, Fa, vous avez aussi 3 demi-tons. Donc ça fait 2 fois une tierce mineure. Donc celui-là, du coup, il est un peu plus complexe. Je vous expliquerai plus tard dans une prochaine vidéo comment ça fonctionne pour le construire. Et donc voilà, et comme je vous avais expliqué dans la gamme majeure, oui, vraiment tout est lié, et ben pour construire une gamme majeure, vous aviez des tons et des demi-tons à des emplacements bien précis. Donc là, je vous rappelle, vous pouvez aller voir directement dans la vidéo, parce que si vous l'avez pas vu, pareil, vous êtes un petit peu bloqué. Et ben de la même façon, pour construire une tonalité, on va utiliser, du coup, cette place à chaque fois des accords qui vont nous donner du coup une suite d'accords logiques et agréables à écouter et qui va se faire automatiquement. Et je dirais même plus pour lier encore plus les choses. Je dirais même plus. Et bah du coup ces accords réagissent en fonction de l'armure qu'on a au début de la partition et du coup de la tonalité. Et bah oui, regardez du coup en Do majeur on a bien aucun dièse, aucun bémol à la clé. Et bah effectivement nos 7 accords qu'on aura dans la tonalité de Do majeur
il n'y en aura aucun qui aura une note altérée. Et du coup, vous pouvez calculer ça pour n'importe quelle tonalité, tonalité de sol majeur, ré majeur, mi majeur. Si vous avez un tel nombre de dièses dans votre armure qui permet de calculer la tonalité, du coup, et ben vous allez retrouver toutes ces altérations au fur et à mesure que vous allez construire vos accords, de la même façon que vous allez construire votre gamme en fait. Alors du coup, le meilleur exercice que je peux vous donner à faire, c'est de le faire par vous-même. Vous avez maintenant toutes les clés pour pouvoir le faire vous-même devant un clavier, et du coup, ça sera le meilleur exercice que je pourrais vous donner, pour le moment en tout cas, pour pouvoir bien progresser dans cette compréhension, la construction d'accords. Il y a beaucoup de mots compliqués là dans cette phrase. Mais du coup, si vous voulez bien sûr une correction en plus, eh ben, je vous mettrai dans le lien de la description le fichier avec les 7 positions d'accord pour la gamme de Do, et je vous ferai aller la même chose pour la gamme de Mi majeur par exemple. Donc on rappelle Mi majeur, on a 4 dièses à la clé. Parce que 4 dièses, Fa, Do, Sol, Ré, Ré dièse, qu'on augmente d'un demi-ton et qui nous fait tomber du coup sur le Mi majeur. Voilà. Ça du coup, c'est la vidéo sur la tonalité et les armures. Donc ça, pareil, si vous ne l'avez pas vu, il faut aller la voir tout de suite. Bon, du coup, c'est bien complexe tout ça, disons qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, mais dites-vous que là, vous entrez vraiment dans le monde de musicien. C'est grâce à tout ça que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez en musique, être libre. Donc persévérez, essayez de comprendre encore plus, encore plus, encore plus, et entraînez-vous surtout, et vous deviendrez incollable au bout d'un moment. Ça deviendra automatique. C'est comme apprendre à conduire en soi, faut s'entraîner. Au début, on écrase des chats, on renverse des petites vieilles, on défonce des kiosques et journaux, mais au fur et à mesure, ça va, voilà. De moins en moins de personnes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger mon guide des bases de la musique au piano et à la guitare qui vous expliquera justement tout ce qu'il faut savoir à propos de toutes ces notions qu'on a vues dans toutes les vidéos. Vous aurez comme ça des petits dessins, des petits schémas, ça sera beaucoup plus facile à comprendre. Et du coup, c'est totalement gratuit, on est bien d'accord. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir, à vous abonner en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les icos.